Waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Bien sûr que vous nous voyez, c'est chic. Waouh. Aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. Une question que nous a posée un abonné. Quelle est cette question, mes frères et sœurs? Vraiment, vous serez surpris. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche de la TV juste en dessous de cette vidéo et venez voir, suivez-nous. Nous avons fait une vidéo avant, c'est-à-dire la première vidéo du jour et bizarrement, beaucoup de personnes ont réagi. Il y a des commentaires. Cette vidéo est ici, regardez. Waouh, c'est extraordinaire! Comme vous voyez, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est réel. Et en dessous de cette vidéo, vous pouvez voir comme titre les anges. Les anges qui sont tombés du ciel avec le diable sont ici. Vous pouvez également regarder cette vidéo et ne manquez pas de cliquer sur j'aime juste ici quand vous terminerez la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes ont réagi. Déjà pour commencer, voilà, on va juste zoomer pour que ça ne soit pas fou. Beaucoup de personnes ont réagi juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez tout simplement voir, il y a déjà des commentaires, ça fait déjà beaucoup pour nous. Et regardez juste en bas, on voit une question, il y a deux questions intéressantes. La première question d'abord est, vous êtes de quelle nationalité? Est-ce que ça vaut la peine que je réponde à cette question? Bon, quand nous allons atteindre les 100 000 abonnés, nous essaierons de répondre à cette question dans une vidéo spéciale FAQ. Rien que pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de voir cette question qui est ici, à laquelle nous pouvons répondre maintenant. Et la question est, bonsoir, s'il vous plaît, je peux savoir comment les démons se reproduisent. Bonsoir, s'il vous plaît. Je veux savoir comment les démons se reproduisent. Ah! Et c'est une question de Salifou Zachary. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'un abonné et essayer de répondre à cette question rapidement pour un abonné. C'est une question intéressante. C'est vraiment une question très intéressante. C'est pourquoi nous avons décidé de répondre à cette question-là. Si vous avez des questions pertinentes, réagissez dans la partie commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, écrivez quelque chose. Et nous ferons une vidéo spéciale rien que pour vous en disant votre nom au passage. C'est pas mauvais. Ah! Déjà, merci mon frère Zachary pour ta question. Comment les démons se reproduisent-ils? Assurément, tu t'inquiètes, tu cherches à ça, mais comment ça se passe? S'il devient plus nombreux que nous, ça arrive de chauffer sur nous. C'est pourquoi tu poses tellement la question. Les démons sont nombreux, c'est extraordinaire. Effectivement, les démons se reproduisent. Et tu vas te poser cette autre question de savoir comment ça se reproduit. C'est pourquoi tu as écrit cela. Et ça, c'est très bien. Voici comment les démons se reproduisent. Pour commencer, vous devez savoir que les démons étaient des anges, des créatures de Dieu. Et dans la Bible, on nous disait que dans le ciel là-bas, il y avait des anges qui regardaient la terre, qui voyaient déjà des femmes très belles ici, et qui pouvaient descendre sur la terre pour faire des enfants. Et ces enfants-là devenaient, naissaient, et ils devenaient grands et forts. Ils sont hors du commun. Oui, la parole de Dieu en a parlé. Ce qui se passe pendant la reproduction des démons à notre ère n'est pas du tout différent de ce qui était expliqué dans la parole de Dieu dans la Bible. Le diable, effectivement, est un esprit. N'est-ce pas? Oui. Et un esprit ne peut pas s'accoupler avec un humain. Sinon, un esprit peut s'accoupler uniquement qu'avec un autre esprit, comme lui. Mais, vous devez savoir que le diable a le pouvoir de s'incarner en des humains. Par exemple, un sataniste peut livrer son corps, peut lui céder son corps afin que lui puisse produire son corps. C'est comme une enveloppe. Et il va venir sur la terre ici, habillé comme lui, il va marcher comme lui, il fera exactement comme ce que ce sataniste-là
fait. Et c'est à ce moment-là, Satan, comme il aime femmes, nous disons, ce comportement que les gens ont d'aimer beaucoup de femmes, ils aiment les femmes, ou ils aiment les femmes, jusqu'à les gens disent que, oh, il y a certaines nationalités là, les gens, ils aiment trop femmes, ils sont fâchés. Oui, le diable aime les femmes. Et quand il descend, il cherche les femmes comme nous, comme vous et nous. Il appelle, il dit, oh, allô, bonjour. Est-ce qu'il y a un téléphone autour de moi ici? Ok, un téléphone à côté de moi. Allô, bonjour. Comment tu vas? N'as-tu pas un 06 là-bas? Est-ce que tu n'as pas un 06? Demande, tu peux me donner ton 06 s'il te plaît? Et toi, si tu causes avec la personne, parce que physiquement, tu vois la personne, mais tu ne peux pas te douter que c'est le diable ou encore c'est Satan qui est là. Tu ne peux même pas te douter que c'est le diable ou c'est Satan. Parce que cette personne est devant toi, parle comme toi, et cette personne ressemble à un garçon. Un gars bien habillé comme ça, comme Yensuke Bono. Est-ce que vous voyez? Regardez ça. Voilà, bien habillé comme ça, vous ne pouvez pas penser qu'il y a un problème avec lui. Regardez. Vous n'allez jamais penser qu'il y a un problème avec lui. Il sera toujours bien habillé. Il y a un peu de flou, mais on espère que ça va. Vous pouvez aller sur la page d'accueil de Yensuke Bono en dessous de cette vidéo. Après, vous êtes abonné. Vous allez voir ça. Mais c'est exactement ça. Le diable sera très bien habillé et quand il va descendre, il va chercher à entrer en contact avec les filles, les femmes de notre terre, exactement comme ce qui a été décrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, c'est la même chose, c'est le même processus, c'est pas différent. Et vous, vous allez avoir des rapports sexuels avec le diable. La fille, elle aura des rapports sexuels avec le diable. Elle va se dire dans sa tête, elle va se dire qu'elle a été de tout simplement faire les choses avec un homme. Et elle est au contraire. Oh, en réalité, c'était le diable. Et ça peut même être un démon. Un homme musicien, lui, il a rencontré, c'est-à-dire, lui, c'était son travail. Il a une double personnalité. Et sa deuxième personne est réelle, c'est un démon. C'est-à-dire, ce démon-là prend son corps pendant que lui, c'est-à-dire, ce démon-là, c'est-à-dire, c'est comme un multiclonage. Lui peut être ici et son deuxième est là. Et son deuxième là, c'est un démon. Il va faire exactement ce que lui, il a envie de faire. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie qui parle. Vous avez déjà regardé le film de Naruto, le dessin animé qu'on appelle Naruto. C'est la même chose. Et ce démon là va s'accoupler, va avoir des rapports sexuels avec les femmes. Les femmes, ça peut même être des prostituées. Oui. Et quand un homme a des rapports sexuels avec une femme, qu'est-ce qui se passe? Elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, l'enfant qui va naître, ce sera qui? Ça sera un enfant, un homme démon. Vous voyez? Ça sera un homme démon. Ça, c'est dans le premier cas. Maintenant, dans le cas où ça se passe en esprit, là, comment ça se passe, nous allons vous dire. Dans le cas où ça se passe en esprit, vous allez voir que dans vos rêves, vous allez avoir des rapports sexuels avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, toi, tu t'endors. Et quand tu t'endors, là, tu as toujours des rapports sexuels avec des gens. Ça ne te dit rien. Tu penses que c'est normal, tu penses que c'est naturel et que c'est une bonne chose. Non, tu n'as, c'est pas normal. Tu as des rapports, tu as d'abord des rapports sexuels avec des mauvais esprits, avec des démons. Est-ce qu'un ange de Dieu va-t-il venir coucher avec toi? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Lui veut te donner le message de Dieu et il s'en va. Mais s'il s'arrête pour essayer de coucher avec toi parce qu'il te kiffe, parce qu'il t'aime, c'est que c'est un démon. Et cette personne que tu vas voir en songe là, ça sera une personne ordinaire, comme une personne que tu as l'habitude de voir, normal, tu vas te dire que c'est joli. Et cette personne va t'attirer comme ça. Et toi, chaque nuit, tu couches avec cette personne. Et tu appelles cette personne ton mari des nuits. Et tu penses que c'est fini. C'est pas fini. Si tu es un homme et que tu couches avec une femme dans ton sommeil, si tu couches avec une femme, ce qui se passe, c'est que toi, tu t'es dit d'avoir des enfants avec une femme dans ton sommeil là-bas. C'est comme ça se passe. Quand tu finis de coucher avec elle, toi, tu penses que c'est fini et que c'est juste un rêve. Or, ça n'a rien d'un rêve. Les rêves, le prophète dit, les songes sont réels. C'est ce qui doit se passer dans la vraie vie, même si c'est pas spirituellement parlant, que tu peux voir, que tu vois juste en esprit, parce que c'est ton âme qui voit ça. C'est ton esprit qui sort et qui voit ça. Ce sont les esprits qui communiquent entre les esprits. Ce que l'esprit doit se gérer entre les esprits. Ce que tu vois peut-être au sommeil, il faut considérer cela parce que c'est la réalité.
Et quand tu couches avec ce genre de personnes, ah, tu as des enfants en esprit. Oui, c'est comme quelqu'un qui se masturbe. Toi, tu te masturbes. Et quand tu te masturbes, toi, tu te vois seul. Tu te vois seul, n'est-ce pas? Et tu te dis que tu as fini de te masturber, c'est fini, et il n'y a rien d'autre après. Mais ce que tu ne sais pas là, c'est que quand tu finis de te masturber comme ça, là, ou même pendant que tu étais de te masturber là, tu étais en train de faire les choses, avoir des rapports sexuels comme ça, hein, avec des mauvais esprits que tu ne vois pas. Et ces mauvais esprits là sont là juste autour de toi, en train de regarder, tu es en train même de coucher avec elles. Oui, et ton sperme sera recueilli par ces mauvais esprits. Recueilli par ces mauvais esprits qui seront par la suite emmenés dans le monde du diable là-bas et vont transformer ton sperme en enfant, en bébé démon. Donc toi qui as été massif, tu as déjà des enfants là-bas. Tu as dit, mais comment c'est possible? Même sur la terre ici, là, même, c'est possible. On peut prendre le sperme d'un homme pour aller mettre dans une fabrique, ça attend un enfant. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient des démons. Depuis quand Dieu a demandé aux hommes de se reproduire de la sorte. Mais c'est pas possible, ça vient des démons, mes frères et sœurs. Ça vient des démons. C'est une question pertinente que nous a posé un abonné. Donc nous sommes en train de répondre à cette question. Si vous avez des questions intelligentes, comme ça, réagissez en dessous de cette vidéo. Des questions qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes joli, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas bloqué, ça bloqué, ça colle parce que ça va être chaud. Je suis sûr que dans la prochaine question, ça va être chaud. Si vous répondez tout de suite après cette vidéo, dès que vous voyez cette vidéo, nous ferons direct une autre vidéo pour répondre directement à votre question. Et vous verrez les choses qui vont venir. Ça va être chaud. Là, vous-même, vous nous proposerez des types de contenu que vous voulez. Et Dieu va nous aider dans cette dimension si ça lui plaît. Parce que c'est lui qui nous donne l'autorisation. Vous voyez, non? C'est sa chaîne, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Cette histoire de sémination, on va te séminer, on va prendre le sperme de quelqu'un pour mettre dans l'orifice vaginal de la femme là. Moi, ça vient des démons. C'est la même chose qui se passe avec les démons. Voici comment les démons naissent dans leur monde là-bas. Et l'enfant qui naît dans le monde des esprits là, c'est un homme démon. Et cet homme démon là, vous créez vous-même des ennuis. Vous-même qui avez eu des rapports sexuels avec des démons, ça vous en rencontre là. Même dans vos rêves là. Ça va vous créer des problèmes comme ça. Le premier problème qui peut arriver, c'est que vous ne pouvez pas vous. C'est-à-dire, il peut arriver que vous ne pouvez plus vous affronter. Ou bien le démon, la femme de nuit, ou bien le mari de nuit, avec qui vous êtes lié là, vous empêche d'avoir un enfant physiquement ici. Quand vous avez des rapports sexuels. Ça, c'est dangereux. Évitez ça. Vous voyez que ce n'est pas difficile pour un démon de se reproduire avec une personne humaine. C'est facile. Même des sirènes quittent leur monde pour venir ici. Si vous avez regardé les témoignages que nous faisons sur souvent, nous sommes au courant que les sirènes sont en quête de spermatozoïdes. Parce que dans le spermatozoïde se trouvent des milliers de vies humaines. Donc, eux, ils ont la technologie, elles ont la technologie pour, qui les sert à transformer cela en bébé démon. C'est comme ça se passe. Vous pouvez dire que c'est de la blague, c'est de la frime, mais ce sont des témoignages que nous avons reçus ici. Nous n'avons jamais vu ça, mais c'est que si nous avons cru. Parce que même dans la Bible, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a des choses comme ça, comme on vous l'a dit à l'introduction. Le diable veut absolument contrôler les humains. Il veut absolument être. C'est-à-dire, il veut se multiplier pour bien nous contrôler, pour bien nous créer des ennuis, pour bien nous créer des problèmes. C'est pourquoi il fait ça, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il fait ça. Un démon pour surveiller un humain, ça devient compliqué. Il en faut plusieurs. C'est pourquoi il se multiplie. C'est pourquoi le diable est tenté d'augmenter son armée. Et le diable est tenté de faire une armée, de former une armée sur notre dos, juste à partir de notre sperme. Toi, mon frère, si tu te masturbes, nous t'avons dit, tu as déjà des enfants de moi, des esprits. On doit t'appeler papa maintenant. Parce que tu es le maître des masturbateurs de la planète. Réponds-toi aujourd'hui, mon frère. Nous allons te dire, réponds-toi. Hein? Ah, qui ne s'est masturbé pas ici? Qui ne s'est jamais masturbé ici? Nous tous sommes dans ces choses. Ah, nous tous nous sommes dans ces choses. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes revenus. Regardez, nous sommes revenus en arrière et on a découvert finalement qu'il y avait des problèmes dans cette histoire. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous masturber. Arrêtons toutes ces histoires. C'était une question des esprits. Et on a appris qu'une personne qui se masturbe, elle est accompagnée par 600 démons.
600 démons, ça c'est un témoignage récent sur notre bon, nous avons découvert ça. Et les démons là, ils sont là comme ça, tout était poussé. Déjà le premier démon va te dire, oh, il y a longtemps même tu as touché au sexe, va toucher. Le deuxième démon va te dire, oh bon, il n'y a pas de femmes, s'il n'y a pas de femmes, c'est pas grave. Regarde, va sur Internet. Il y a les sites comme ça, il y a les sites X. Va regarder. Toi si tu es là, c'est moi, il te manipule, il te pousse. Et tu regardes ta chair te dit, ah c'est vrai, moi mais j'ai besoin de ça. Et toi si tu es là, tu retournes dans le piège. Une fois que tu as commis le péché, tu as des problèmes. Si tu es mort dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, là, on ne se masturbe pas. Quand tu auras envie de te masturber, comment tu vas faire? Donc tu vas dans l'enfer là-bas, où les gens se masturbent. Mais là-bas, c'est avec les démons que tu vas faire les choses. Nous ne te recommandons pas cela. Nous ne vous recommandons pas cela, mes frères et sœurs. C'est le moment de vous répéter de sortir de ces choses-là. Si ça vous a aidé, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche. Tu veux parce que ça va être chaud pour la prochaine vidéo aussi. Non, c'est bon. Ça, c'est une vidéo à 60 fps. C'est-à-dire 60 images par seconde. Est-ce que ça vous plaît? Regardez quand. Regardez quand on tourne. Ça fait comme ça, comme ceci. J'espère que c'est bien. Nous travaillons Dieu pour que nos vidéos soient de bonne qualité. Rien que pour vous, rien que pour vous. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, soutenez-nous. Ça va nous faire du bien. Que Dieu bénisse les soeurs. Regardez ça. Waouh. C'est flou. Oh, c'est bon, c'est bon. Ça commence à aller. Regardez encore. Qu'est-ce que c'est, gars-là, même. Regardez ça. On suppose que ça, c'était le monde des ténèbres. Ouh. Ça a presque mis stop. On suppose que là, c'est dans le monde des ténèbres. Et voici.